Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors tout d'abord, les dates pour la troisième édition du Salon Suite Tradition ainsi que le lieu sont définies. Il se déroulera les 12 et 13 avril 2025 dans un lieu mythique, le Haras National du CES. Notez bien ces deux dates afin de venir et vivre un week-end de folie. Allez, c'est parti, passons à la vidéo. Aujourd'hui, je vous amène au poste avec moi où je vais vivre une magnifique action. Effectivement, je vais passer plus d'une heure posté à côté d'un sanglier qui était couché à 10-20 mètres de moi. Malgré plusieurs groupes de promeneurs qui sont venus me demander quelques conseils afin de ne pas gêner pendant la battue, il décidera, suite à un joli ferme des bigles du pote Stéphane, de sortir à moi. Le reste, je vous laisse le découvrir en images, j'espère qu'elles vous plairont. Je vous souhaite un bon visionnage à tous les amis et à bientôt. La bise! Alors, petite explication, ce jour-là, nous sommes en comité très restreint. 5 postés et un tracker. Cela fait une heure que Stéphane et ses bigles traquent tous les petits ronciers sans rien trouver. Je lui explique à la radio que j'ai un pied frais de la nuit qui rentre sur ma gauche en direction du roncier devant moi. Stéphane vient, les chiens s'affolent et à 20 mètres de sortir à moi, Roy se met au ferme. La suite en images sans aucune coupure, comme si vous y étiez. C'est bon, c'est bon. Nom de Dieu! Oh, j'avais plus mon point rouge allumé. Hein. C'est bien les toutous! Ouais! C'est bien les toutous, bravo! Ça c'est beau ça! Je savais qu'ils seraient couchés là! Ah, sur moi quand couché! Voilà, je vous ai laissé avec la vidéo entière, sans commentaire, pour que vous puissiez apprécier le moment avec moi. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, ce sanglier sort du roncier et puis me voit, donc marque un petit temps d'arrêt, puis ne sait pas s'il se retourne ou s'il part. Il part d'un coup, donc du coup je lâche ma balle. Malheureusement, elle sera un peu arrière devant la cuisse, ce qui permet de quand même qu'il se couche. Il tourne sur lui-même, puis il me re-regarde et se re-retourne. Et en fait, je tire très mal, quoi. Je tape à 50 cm devant sa tête. Il continue à tourner un peu sur lui-même. Puis je lui fous une balle plein coup, mais très basse. Et j'irai lui abréger ses souffrances rapidement avant que les chiens arrivent. Ce beau mâle accusera quand même 62 kilos avec de belles petites ratounes. Voilà. Je sais pas s'il a pas les 3 balles dedans. Oh, enculé. Voilà, tu vois, le bon poste. J'ai entendu qu'il faut tirer à la traverse là-bas quand il a bourré le chien. Il paraît plus gros quand on sortit mon pote, les oreilles en l'air là. Non, je t'avais dit.